Et nous revoilà en compagnie de toutes ces petites méduses qui auront une belle vie devant elles si la surpopulation ne pose pas de problème dans leur espèce. Eh bien, salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre aventure sur God of War, tout simplement en continuant l'aventure principale. Coco qui salue YouTube, ça fait super plaisir. Et puis voilà, ben on continue tout simplement là où on s'est laissé la dernière fois, ni plus ni moins. Oh, il y a un cœur là. Il y a un cœur qu'on avait vu. Est-ce que ça signifie qu'il y a quelque chose à y trouver? Oui, 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 oui. C'est un donc ingrédient de la recette. Ah, c'est donc ça, la fameuse... Voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Yari avait été élevé en guerrier midgardien. Se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes. Ok, donc en fait, il y a... Il y a les ingrédients de cette fameuse recette au travers des royaumes. Donc là, on est à Alfheim. Attendez. Ah, Nilfheim, c'est les corbeaux. C'est les corbeaux. Muspelheim, on peut pas encore y aller. Midgard, c'est là où on a trouvé la première recette. Svartalfheim, il doit du coup y avoir une recette là, hein, je pense. Il doit y avoir une recette par ici, quelque part par là. Jotunheim, donc les bois de fer, on ne peut pas y aller. Maison de Sindri, ça m'étonnerait. Et il y a Asgard. Ok, il y a la carte d'Asgard. Où on ne peut pas aller non plus. Et il y a Vanaheim. Donc, est-ce qu'il y a encore un truc de recette dans Vanaheim et dans Svartalfheim? Et franchement, les amis, j'ai envie d'aller faire un tour dans ces deux royaumes avant de continuer. Oh, un lingot asgardien! Putain, ça va m'être utile. Est-ce qu'il y en a aussi un là? Tu nous parlais de ton frère, Freya. Tu dis qu'il a réussi à passer de l'arbre monde au lac des âmes. C'est vrai. Garde ça pour plus tard. Métal travaillé. Ouais, je vais juste aller faire... Bon, en fait, on va pas continuer l'histoire principale tout de suite. changement de programme, les amis. On va aller voir à Svartalfheim et à Mus... Non, c'est pas Muspelheim, le royaume du frère de Freya, là. On va aller voir si on trouve ses cœurs. Il n'est donc pas passé inaperçu. Oh, j'aurais adoré voir ça. Ça suffit pour l'instant. On se concentre. Donc. Ah, donc Vanaheim, ok. Il y a Vanaheim. Ouais, bah on peut commencer par Vanaheim, hein, ceci dit. Accès mystique, delta de la rivière. Ouais. Bah, allons-y là, hein. On va voir si on arrive à les trouver. On va simplement faire un peu le tour et voir si on trouve un cœur. En espérant qu'il soit bien visible et qu'on ait la chance de tomber dessus. Enfin, en attendant, du coup, n'hésitez pas à raconter des histoires. Hein. Pour une fois qu'on peut les écouter, c'est le moment. Il
J'ose espérer que s'il y a un cœur, il est visible de la barque, hein, parce que sinon... Sinon, c'est trop chaud. On est d'accord que c'est pas marqué sur la carte, hein. C'est pas du tout marqué sur la carte, en effet. Ouais, bon, bah, le seul moment où ce serait bien de meubler, il ne parle plus. Alors que d'habitude, il parle tout le temps. Ah! Bass et Coco qui s'occupent de meubler à leur place. Coco qui vient de prendre son 15e mois d'abonnement Prime. Merci Coco, ça fait extrêmement plaisir, putain. Ça touche énormément. Droit au cœur, qui nous dit « Punaise, je me disais bien que j'avais plus mon bonus depuis que j'étais arrivé sur le live, donc je peux enfin me réabonner pour le 15e mois, il me semble. » Ça fait tellement plaisir, Coco, merci infiniment. Ça me touche énormément, votre fidélité et puis votre assiduité de suivi à la chaîne et que mes vidéos vous fassent plaisir, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Qui nous dit « Merci beaucoup Corbel pour tes lives. » Je prends énormément de plaisir à les faire et j'espère du coup que vous prenez énormément de plaisir à les regarder. Ok, là c'est un cul-de-sac. Cul-de-sac, cul-de-sac, cul-de-sac. Putain, mais montrez-moi un cœur quelque part, s'il vous plaît. D'ailleurs, il y a toujours ça, là. Que je ne sais pas comment péter. Max qui demande, tu dois trouver combien de cœurs? Bah là, du coup, on en a trouvé deux, il nous en manque plus que deux. Mais donc, je sais pas si vous voyez bien de quoi je parle, hein, donc c'est les cœurs tagués, hein, sur les murs en jaune qu'on a vu comme avant. Mais là, j'ai pas l'impression d'en voir, hein. Après... Du coup, on peut essayer d'aller de l'autre côté de la rive, là où on s'est téléporté à la base. Je regarde attentivement, hein. Bien attentivement. Il y a l'autre côté ici. L'autre côté ici qui mène là. Ouais. On peut essayer de passer par là.
Coco qui dit c'est chaud à trouver, putain. En effet, là, je me dis, si on doit juste avoir la chance de tomber sur un tag en cœur. Putain. Est-ce qu'on a eu... En fait, on a eu de la chance de tomber sur... sur celui du royaume des elfes, là. On a eu de la luck. De toute façon, si je les trouve pas en tournant comme ça un petit moment, je ne vais pas. Je ne vais pas forcer non plus, hein. Coco qui dit en plus la couleur est jaune un peu partout. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Ah là, c'est là où le crocodile nous avait chopé, hein. Putain, je m'en souviens encore. Ça m'a trauma. Oh, un arc-en-ciel. Un mini arc-en-ciel. Bon, je vais juste essayer de retourner voir un poil là-bas. Et puis sinon, on va abandonner dans ce royaume. Oula, il y a eu un bruit. Je sais pas ce que c'était. Coco qui dit on s'en souvient tous, corbeille du crocodile. Ah bah il n'a pas marqué que moi. Ouais, bon bah tant pis, hein. J'ai envie de dire tant pis. Parce que là, je vois vraiment pas. Peut-être qu'il n'y a pas de... Peut-être qu'il n'y a pas de cœur dans... Dans ce royaume. Sûrement qu'il n'y a pas de cœur dans ce royaume, ouais. Par contre, au royaume humide, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Tout simplement parce que ben, c'est dans l'intitulé de la quête. Attendez. Attendez, je vois un tag jaune là-bas. C'est quand même pas ça. Je vois une sorte d'inscription murale là. Ah mais non, c'est pas un tag, c'est des feuilles. Non, non, si, c'est des tags en fait. C'est des tags, mais c'est pas les bons. J'ai confondu avec ça. Merde. Bon. C'est pas du tout ça. Bon, bah tant pis. Tant pis pour ce royaume. Il y en avait sûrement pas ici. L'armure de Lunda. Donne ça, je vais te l'arranger vite fait. Je te remercie. Ah mais d'ailleurs, j'ai du coup, je peux du coup améliorer mon armure maintenant. La gantelet et... Ouais, gantelet, je peux améliorer les gantelets. La vache, je suis bon ou pas ? Très très bon, très très bon. Autant que ton frère, je sais que tu veux pas l'entendre mais je te le dis. Bon, alors du coup, maintenant, le royaume humide, Svartalfheim.
Goku qui dit « Direction un autre royaume pour trouver ses cœurs. » Ouais, je pense qu'on pourra peut-être en trouver un, là. Essayons de faire un peu le tour. Et peut-être que le... Peut-être que le dernier qu'on trouvera est dans un royaume qu'on n'a pas encore découvert. Hein. Enfin, qu'on n'a pas encore exploré, plutôt. Là, il n'y a pas de cœur. Là, il n'y a pas de cœur. Pas de cœur, pas de cœur, pas de cœur. Peut-être qu'il y a un cœur sur la baleine. Là, il y a un corbeau. Un corbeau, comme qui dirait, un peu inaccessible. Là, il n'y a pas de cœur. Et tout ça, c'est des trucs inaccessibles parce qu'on n'a pas encore l'objet qui nous permet de gérer cette histoire de vent qui fuite, là. Là, il n'y a pas de cœur. Là, il n'y a pas de cœur. Là, il n'y a pas de cœur. Putain, il n'y a pas de cœur. Il y a des cœurs nulle part. Pas de cœur, pas de cœur, pas de cœur. Ok. Il n'y a pas de cœur. Allons de l'autre côté. Là, il n'y a pas de cœur. Il y a un lézard là où je rêve. Ah non, c'est un oiseau. Pas de cœur non plus. Pas de cœur. Bon. Bah, je sens qu'on va rentrer bredouille, hein, les amis. On va rentrer bredouille. Ça aura fait un long début d'épisode bien centré sur, sur l'admiration du paysage. Mais écoutez. Je me suis autant fait baiser que vous dans cette histoire, hein. Et peut-être que vu que l'intitulé c'est ce royaume, il est peut-être possible que... Il est peut-être possible que tout simplement...
Ah mais merde, j'ai pas découvert la chaîne ici. Il est peut-être possible que... Comment dirais-je? Que en fait la finalité de la mission se passe ici. Et que du coup les deux derniers cœurs sont dans des endroits qu'on n'a pas encore découvert. Ça c'est aussi possible. Et que c'est une fois qu'on aura trouvé ces deux derniers cœurs autre part, qu'on devra revenir ici pour finir la mission. C'est imaginable, ouais. C'est imaginable. Nous retournons à la cité. On va retourner à Midgard pour continuer l'histoire principale, Freya. Bon alors voilà, écoutez, je suis vraiment navré pour ce contretemps. Ça aura été vraiment un petit interlude paysage. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? Parce qu'on doit aller vers où? Il me semble qu'on doit aller par là-bas. Donc on va pouvoir se mettre là. Je pense que c'est pas mal. Et si nous repartions en quête des Nornes, où se trouve le traîneau? Je pense qu'ils doivent se trouver. Il doit se trouver bizarrement en dessous de nous. Voilà, désolé pour le contretemps les amis, maintenant c'est bon, nous partons à l'aventure. Oh, le serpent monde, c'est vrai, il est là, regardez-le! Non, en fait, je suis allé au mauvais endroit, là, non? C'est pas là que je dois aller. Pourquoi vous montrez un endroit différent maintenant? Non, il tourne la tête là, il tourne la tête là. C'est là-bas que je dois aller alors. Ouais, c'est là-bas. On a fait un petit détour admirage du serpent monde. Voilà, on y est. J'espère que les Nornes vivent à l'abri et au chaud. Une chose est sûre, Midgard, en plein Fimbulvetr, ne m'avait pas manqué. Oh non. Nous le saurons bien assez tôt.
Ah, salut toi. Comment ça va? Sympa. Ton bal brisé a peut-être un indice. Oui, oui, t'inquiète, Mimir, j'avais bien compris, surtout avec le gros logo jaune qu'il y a dessus. Mon frère. Ah, bah c'est les pierres tombales qu'on a croisées. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriter des esprits. Si ça ne nous aide pas à trouver les normes, ça attendra. Ok. Donc elle est inutile telle qu'elle. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. Hopna. Wouah. Ok. Tu m'excuseras, je vais juste voir... J'en ai bien peur. Voyons ce que les louves peuvent trouver d'autre. C'est une orme tout craché. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinés à la trouver. Ok. Mais du coup, est-ce que je peux activer en quelque sorte la... la pierre tombale que j'avais vue? Ou pas du tout? Kratos, parle-moi de ta terre natale. Elle était violente et cruelle. Cela ne me semble pas différent d'ici. Il y faisait chaud. Et c'est tout ce qu'il avait à dire à ce sujet. Chose dans cette direction. Mais quoi exactement? Une autre illusion. Elle vient de cette paroi. Les Nornes cachent quelque chose. Hopna. Rien. Encore une impasse. Un piège!
Mon cou est en train de geler. T'as plus de coups, Mimir. Dis pas de conneries. Il y a encore quelqu'un ? Ah oui, il y a encore quelqu'un, d'accord. Bah viens là, du coup. Voilà qui est réglé. C'était le dernier. Notre quête ah putain. Alors, continuons. Retournons au Louvre, alors. Les loups vont repérer une nouvelle piste. Continue d'observer leur tête. Oui, oui, t'inquiète. J'ai bien compris comment ça marche. Freya, comment était Sigrun la dernière fois que tu l'as vue ? Elle reste immatérielle depuis que Kratos l'a libérée de sa forme corrompue. Mais cela ne l'empêche en rien d'aider dès qu'elle le fait. En vérité, je lui dois plus que... Ah bah elle est là, la tombe. Je doute qu'elle le voit ainsi. Quand nous l'avons délivrée, elle ne faisait que répéter combien elle te vénère. Te... Attention, tenez-vous prêt à combattre. Une autre pierre tombale de berserker. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah... Ok. Merde, j'ai loupé. Merde. Bad timing. Non. Oh putain, d'accord. Ok. Ah ouais, d'accord. Oh, ah, elle peut enchaîner, hein. Elle peut enchaîner, d'accord. Bon, alors maintenant, ces pierres tombales sont devenues des défis, encore une fois. Une autre pierre tombale de berserker. Ouais, t'inquiète. Ok, bon, bah, sympa. C'est là, Freya. Oui, mais putain, c'est chaud, Mimir, hein.
Ah merde. Mais mec, oh là là. Oh, quelle dinguerie. Oh là 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 là. C'est chaud. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est faisable, encore une fois, c'est faisable. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Il faut juste quelques essais. Mais putain, on ne continuera jamais l'histoire principale ce soir. Est-ce qu'on avait croisé des tombes comme ça autre part, il me semble, hein. Dans le royaume des elfes. Allez, viens. Putain, je me fais quand même toucher, hein. Oh là là. Et pas qu'un peu. Oh mon dieu, elle m'a pris toute ma vie. Putain. Ok, donc même mes attaques runiques, faut vraiment que je les time bien, parce que si elle me touche pendant mes attaques runiques, je me fais toucher, quoi. Putain, j'y étais presque, c'est faisable, faut juste que je time bien mes attaques. Allez Corbel. Ça va le faire. Allez, viens vers nous. Ça, c'est des coups gratuits, ça. Ça, c'est de la vie en plus. Ah, j'ai mal timé. Merde. Ouais, je l'ai touché une ou deux fois. Et là, elle m'a encore touché. Maman.
Ok, on y est, on y est. Ok. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Croyez en moi, croyez en moi. On y est. Non. Non. Quelle merde. Je suis une merde. Ah putain. Oh là là, elle devient plus forte à son dernier bout de vie ou... Ou c'est moi qui ai pris la confiance, là. Oh, je suis trop déçu de ce que j'ai fait. Allez, concentration. J'arrête de parler, hein. Je ne parle plus. Allez, viens vers nous. Putain! Allez! Je me fais plus toucher là. Pas vu venir celle-là. Non. Putain. Oh bordel. Attendez là, faut que je respire un peu. Faut vraiment que je respire un peu. On a combien de temps là? 44 minutes. Je bois un coup d'eau. Ah, bordel. Ok. Frightni la zélé. Pour le roi. Ok, viens vers nous. Ah putain. C'est maman.
Ah merde. Oh, mais c'est pas possible! Non! Putain, les enchaînements qu'elle fait! Faut que je fasse super gaffe à ces enchaînements, n'empêche. Ah voilà, elle fait trois coups d'affilée, quoi. Crève! Et bon débarras, espèce de butor fétide! Tu connaissais ce guerrier? Fais-moi plaisir, mon frère. Si tu vois encore un de ces fumiers d'esprit berserker, préserve-lui le même sort. Tu rendras service au neuf royaume. Ces guerriers font-ils un jour causer du tort, Mimir? Tu sembles plus agité que d'ordinaire. Je préfère ne pas remuer ces... Putain. Oh là là, les amis, j'ai eu l'impression d'affronter une Valkyrie. Bordel. Ok. Ok. D'accord. Pour l'instant, je vais garder ce que j'ai. Souvenir, si ça ne te fait rien. Très bien. Ok, du coup c'est un objectif ça maintenant? Vaincre les âmes de Berserker, une sur 12, dans tous les royaumes des tombes réagissent à la poignée d'épée que nous avons trouvée à Midgard. Si on y place cette épée, des âmes de Berserker surgissent pour défendre leur roi. Même dans la mort, ce sont des guerriers redoutables. Ok, mais est-ce que c'est pas l'équivalent des Valkyries du coup? Peut-être, hein. Ah mais du coup, est-ce que c'est une quête qu'on peut suivre? Parce que si, c'est une quête qu'on peut suivre. Non, c'est pas une quête qu'on peut suivre, du coup on doit aller chercher. Ok. Freya, tu as dit que Fimbulvetr avait affaibli certains des sorts d'Odin, mais que tu avais quand même eu besoin d'aide. Est-ce Sigrun qui t'a aidé à retrouver ton esprit combatif? Est-ce ainsi qu'Odin aimait évoquer la malédiction qui m'empêchait de me défendre? Ah. C'est peut-être bien là que je l'ai entendu. Aimerais-tu en savoir davantage sur cette malédiction? Sur ce qu'elle m'a fait subir? Sur ce qu'il m'en a coûté pour pouvoir m'en libérer? Je n'en suis pas si sûr, finalement. Exactement. Par ici, nous devons trouver un moyen de monter. Oh, je le connais bien, le moyen de monter, t'inquiète. Tailler un passage dans la glace. Oh, les Nornes se sont mises à faire des murs de glace magique. Non, je pense que l'eau a simplement gelé. C'est marrant, ils ont mis les gâchettes haptiques seulement dans ces scènes de QTE. Hein. Trop chelou. Oh, les amis. Je ne l'aurais pas demandé. Oh!
J'ignore comment les Nornes ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Freya. Ouh, il y a un gros coffre là. Merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. C'est beau ce que tu dis, mon frère. Mais attends donc qu'on soit au chaud pour faire la rosette. Mon frère, cela ressemble à une sortie, pas à une entrée. Il a raison. Les Nornes se trouvent plus loin. Oui, bon, j'ai bien compris, mais vous me laissez explorer, s'il vous plaît. Ok, donc ça, c'est... Ouais, et ça c'est quand Kratos est sous l'effet du givre, du feu, du poison, du Bifrost. Les coups de bouclier dissipent l'état et infligent des dégâts de cet état à l'ennemi. Oh, d'accord. C'est sympa comme idée ça. Ok, pour l'instant je veux pas le mettre, mais à garder en tête, parce que franchement le principe est bien. Et puis là du coup ça nous amène où? Un coffre. Sympa. Ok. Bon, eh bien je pense, les amis, que nous allons nous arrêter là pour cet épisode, histoire qu'il dure un peu moins d'une heure, parce que là on a combien de temps? 53 minutes, ouais, c'est parfait. Et puis, tout simplement, nous irons trouver ces oracles, au prochain épisode. Donc voilà, on a fait vraiment deux gros épisodes d'exploration aujourd'hui avant de vraiment se lancer dans l'aventure principale. Mais cette fois, je pense pouvoir vous le dire, nous y sommes. Au prochain épisode, nous continuerons l'histoire principale. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il n'était pas ce qu'il promettait. Je vous incite fortement à liker, commenter, partager, vous abonner et à aller dans les liens dans la description si ça vous intéresse. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette aventure et je vous souhaite le meilleur pour la suite et vivement qu'on se retrouve pour continuer ce jeu. C'était Corbel. Out.